chanteur inconnu. Mais ça ne t'es bien fait. T'es bien fait. Seigneur, viens siéger au milieu des louanges de ton peuple. Être près de toi.
être près de toi. Oui, le monde. Oui, le monde. Près de toi, j'ai la victoire, Seigneur, et je veux le proclamer, Seigneur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, de la peur, mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu est prêt à le déclarer ce matin?
Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as éblui ensemble. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'entoures d'un chant
Amen. Parce que Dieu a des choses à te dire ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Père, j'aimerais te rendre grâce, te dire merci pour ton amour et pour ta bonté. Tu es le seul qui nous soutient, tu es le seul qui prend soin de nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, viens régner au milieu de nous. Prends le contrôle de toutes choses, conduis toutes choses, dirige toutes choses et Saint-Esprit prépare nos cœurs. S'il y a des choses à corriger, corrige-nous. S'il y a des choses à nous enseigner, enseigne-nous et guide-nous, Seigneur, selon ta voix, car nous en avons besoin. Nous te laissons la place, parle-nous. Et s'il y a, Seigneur mon Dieu, quelqu'un à qui tu veux t'adresser personnellement, je te dis, je suis les premiers. Seigneur, parle à mon cœur, tout comme tu parles aussi au cœur de mon frère et de ma sœur présents en ces lieux. Et la gloire revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et nous rendons grâce à Dieu pour ce grand thème que nous sommes en train de développer, que vous êtes en train de suivre pendant tous ces temps, tous ces derniers temps, pendant tout cet été. Et je bénis Dieu pour ce grand thème, connaître Dieu, qui est le plus noble des recherches que nous pouvons faire. Eh bien, je me sens moi-même personnellement concerné par ce grand thème, connaître Dieu. Parce que je me rends compte que je ne connais pas assez ces dieux-là. Il y a des choses que je dois découvrir encore personnellement dans ma vie en ce qui concerne ces dieux-là. Dommage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent Dieu sans les connaître. Nous cherchons Dieu sans les connaître. On prie parce qu'il faut prier. Parce que nous cherchons la solution à nos problèmes. Parce que nous voulons que Dieu nous débarrasse de ce qui nous embarrasse. Nous cherchons la solution. Eh bien, puisqu'on nous a dit que la prière peut nous aider à trouver la solution à nos problèmes, et beaucoup de gens font quoi? Eh bien, prions tout simplement. Parce qu'on nous a dit que ça peut résoudre nos problèmes. Alors prions, sans pour autant connaître Dieu. Un homme a dit ceci, c'est une erreur, ou soit on fait une fausse route si nous essayons de vivre dans ces mondes sans connaître le créateur de ces mondes, sans connaître celui qui est le maître de ces mondes. Nous faisons fausse route. C'est pourquoi il est très important, frères et sœurs, de chercher à connaître Dieu dans notre vie, à découvrir les facettes de notre Dieu. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne même pas. Parce que quand nous regardons à la nature nous apprend qu'il y a un Dieu créateur qui existe. Et nous devons chercher à le connaître et à connaître les facettes de ces dieux-là pour mieux vivre dans cette terre. Dommage, parce que la Bible nous dit, dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pourquoi nous rejetons certaines choses que nous ne devons pas rejeter, parce que nous n'avons pas la connaissance de notre Dieu. Frères et sœurs, celui qui a la connaissance de son Dieu, celui qui a vraiment la connaissance de son Dieu, eh bien, cette connaissance changera sa perception de voir les choses de Dieu, sa perception sur les choses de Dieu. Il vivra sa foi autrement. Il vivra sa vie chrétienne autrement parce qu'il connaît son Dieu, il connaît celui à qui il place sa confiance. Parce que à chaque fois qu'un homme arrivait à connaître une des facettes de Dieu, sa vie n'était plus la même. Sa vie changeait, sa vie ne restait pas la même.
La Bible nous dit dans Exode chapitre 3, le verset 14, quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, eh bien, Moïse n'était plus le même. Moïse avait changé sa façon de voir Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a dit tout simplement que je suis. Lui-même, il dit, quand on me demandera, tu m'envoies, mais quand on me demandera, que dirais-je, quel est ton nom? Eh bien, Dieu s'est révélé à lui en disant, tu leur diras que je suis moi envoyé. Waouh! Quelle révélation! Je suis. Et du coup, ça fait un déclic dans la tête, ou dans la vie de Moïse. Toute la peur qu'il avait a disparu. Parce que quand Dieu lui dit que je suis, ça veut tout simplement dire que non, il est l'Éternel qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Je suis, c'est-à-dire que je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Il a toujours été, il est en ce moment et il sera toujours là pour nous. Alors il dit à Moïse, ne crains pas, je suis là, je t'accompagne. Tout ce dont tu auras besoin, je serai là. Tout ce dont tu auras besoin, je suis là. Si tu as besoin de la force, je suis là pour te fortifier. Si tu es fatigué, je suis là pour te relever. Donc je suis là. Quand nous avons la connaissance, la révélation de ces dieux-là, eh bien, les choses vont changer dans notre marche avec lui. C'est pourquoi, frère, il est très important de connaître notre Dieu, de connaître votre Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu a jugé bon de se connaître aux enfants d'Israël par des différentes facettes. Par des différentes facettes, parce qu'il voulait les amener à comprendre la vraie nature des dieux qu'ils vont servir. C'est pourquoi Dieu a permis à ce qu'ils puissent, il s'est révélé en eux, afin qu'ils aient plus de connaissances de ces dieux-là. Il s'est révélé en eux comme étant Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Parce qu'il sait que non, quand ils se retrouveront dans les besoins, ils ne tourneront pas le regard vers les idoles, vers les dieux des nations, mais ils connaîtront, puisqu'ils connaissent, ils ont la connaissance d'un Dieu qui pourvoit, alors ils placeront leur confiance à ces dieux d'Israël. Alléluia. Il s'est révélé en eux comme Jéhovah Rapha parce qu'il savait qu'ils peuvent faire face aux maladies. Eh bien, moi, je suis le Dieu qui guérit. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est très important de connaître votre Dieu. De connaître votre Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, deux vérités à retenir sur ce qui est connaître Dieu. La première des vérités, et qu'on peut savoir énormément de choses sur Dieu sans pour autant connaître Dieu. On peut savoir beaucoup de choses sur Dieu, beaucoup d'informations sur Dieu. On peut lire les livres et des livres. Tu peux expliquer Dieu aux gens, mais sans pour autant les connaître personnellement. On s'intéresse aux choses de Dieu, mais on ne connaît pas réellement qui est ce Dieu-là. Je peux avoir les informations sur toi, mais je ne te connais pas en vrai. C'est exactement la vie que mènent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Deuxième vérité, on peut connaître beaucoup de choses sur la piété, sur la sainteté de Dieu, mais sans pour autant connaître grand-chose des dieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, je crois que Dieu veut que nous puissions le connaître afin que nous puissions changer notre relation avec lui, changer notre intimité avec lui, avoir une autre façon de vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais partager avec nous sur ce thème que j'ai intitulé « Les quatre attitudes de celui qui connaît son Dieu ». Quatre attitudes de celui qui connaît son Dieu. Évidemment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais je me suis limité aux quatre pour nous aider à comprendre et avoir une attitude
parce que nous allons chercher à connaître Dieu. Et celui qui cherche à connaître Dieu ne doit pas avoir la même attitude que ce qu'elle avait quand elle ne connaissait pas le Seigneur ou quand il ne connaissait pas le Seigneur, son Dieu. Parce que quiconque, je le dis bien, quiconque a une révélation de la facette de Dieu ne reste pas pareil. Elle n'est plus pareille. La personne n'est plus pareille. Elle n'est plus pareille. Les choses changent dans sa vie. Abraham, quand tu l'as découvert que Dieu, c'est un Jéhovah Jiré, tout a changé dans sa vie. Un Dieu qui pourvoit, tout a changé dans sa vie. Quand Gédéon avait compris que Dieu, c'est un Jéhovah Shalom, et que c'est lui qui peut donner la paix à mon peuple, Gédéon avait changé sa façon de voir les choses. Alors aujourd'hui, nous allons tourner tout autour du livre de Daniel. Qu'est-ce que Daniel et ses amis vont nous enseigner? Quelles sont les attitudes, les quatre attitudes que nous allons découvrir ou tirer dans la vie de ces quatre jeunes hommes qui connaissaient leur Dieu? Alors je nous invite à prendre nos Bibles dans Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32. Ce qui nous intéressera plus, c'est la partie B de ces versets 32. La Bible dit ceci, « Il séduira par des flatteries le traître de l'Alliance, mais, la partie B, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans la version Semeur, la Bible nous dit ceci, la partie B, « Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. » Avec courage. Et la version Martin nous dit ceci, que le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera des grands exploits. Waouh! Fera des grands exploits, ceux qui connaîtront leur Dieu. Fera des grands exploits. Frères et sœurs, il est grand temps que nous puissions nous plonger à la recherche de la connaissance de notre Dieu. Et la Bible, quand nous lisons le verset 11, nous allons comprendre, frères et sœurs, que la Bible parle où c'est dans le contexte du chapitre 11. La Bible nous dit qu'il y a un homme, surtout au verset 21. Vous allez voir, vous lirez à la maison. Parce que dans ces contextes, dans cette affirmation de la partie B du chapitre 11, 32, nous avons, si vous voyez bien, cette affirmation est précédée par la conjonction « mais ». C'est pour nous montrer qu'elle met en opposition l'activité de cet homme qu'on parle au verset 21. Parce que là, nous sommes au verset 32. Mais la personne dont la Bible parle est au verset 21. C'est cette personne-là qui est le type de l'Antichrist qui séduit le monde par des paroles flatteuses afin de pousser ceux qui appartiennent à Dieu de trahir leur alliance et de s'allier avec lui, de tourner les dos à leur Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mais malgré ses paroles flatteuses, malgré tout ce qu'il fait pour attirer les hommes vers lui, mais ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils agiront, ils feront des exploits, ils ne céderont pas aux menaces
de l'ennemi. Ils garderont leur alliance. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Eh bien, la première attitude que celui ou celle qui connaît son Dieu doit avoir, eh bien, c'est il manifeste pour le Seigneur un grand zèle. Celui qui connaît Dieu manifeste un grand zèle pour son Dieu. Ça, c'est la première attitude de celui qui connaît son Dieu. Les trois amis de Daniel, voire même Daniel lui-même, quand ils se sont présentés devant le roi, parce qu'ils connaissaient leur Dieu, eh bien, ils avaient du zèle pour leur Dieu. Ils savaient que malgré la menace du roi, nous ne nous prosternerons jamais devant cette statue. Cette statue n'est pas notre Dieu. Nous n'allons pas céder aux menaces ni aux intimidations du roi. Pourquoi? Parce que nous connaissons notre Dieu. Ils avaient du zèle pour leur Dieu. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ne se sont pas rebellés contre le roi ou ni contre l'autorité du roi. Mais puisqu'ils connaissaient leur Dieu, ils savaient ce qu'ils étaient. Eh bien, ils n'ont pas laissé être influencés par le menace du roi. Ils avaient les ailes pour leur Dieu. Même s'il faut mourir, nous allons mourir. Mais nous ne laisserons jamais être influencés. Combien de jeunes, combien de chrétiens aujourd'hui n'ont plus de zèle pour leur Dieu? Ils se laissent influencer par tout ce qu'ils voient dans ce monde, tout ce qu'on leur présente. Suffit que ça contribue à mon bien. Alors Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Eh bien, j'avance d'abord et je viendrai chercher le pardon de Dieu après. Non, là tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas ton Dieu. Parce que celui qui connaît son Dieu reste ferme sur ses bottes. Il ne fléchit pas contre tout ce que le monde lui présente. Il ne fermera pas sa bouche pour dénoncer le mal. Il ne fermera pas sa bouche. Ils ne s'associeront pas avec ceux qui bafouent les noms de son Dieu. Parce qu'il connaît son Dieu. Moïse, quand tu lui parles de son Dieu, puisqu'il connaît ce que Dieu venait de faire dans le buisson ardent, même devant Moïse, Josué, Moïse, même devant Pharaon, Moïse n'avait pas peur des pharaons. Il n'avait pas peur de magiciens de pharaons, parce qu'il savait, il connaissait ce dont son Dieu était capable de faire. Si ce Dieu-là, devant mes yeux, il a brûlé, l'arbre a pris du feu, mais l'arbre ne s'est pas consumé. Alors, toi, devant ces dieux-là, je n'aurai pas peur de toi. Même si Pharaon, tu es un dieu devant ta population, devant tes sujets. Mais moi, je connais un dieu qui a fait sortir le feu sur un arbre et l'arbre ne s'est pas consumé. Quand le feu est éteint, l'arbre est resté tel qu'il était. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Tu ne peux pas m'influencer, Pharaon. Je sais, je connais ces dieux-là. Donc, quand je me tiens devant toi, je n'ai pas peur parce que je sais que mon Dieu viendra à mon secours. Frère, je dois avoir du zèle pour mon Dieu. Père, donne-moi à avoir du zèle pour toi. Je mérite encore te connaître davantage pour ne pas fermer ma bouche là où je vois les hommes et les femmes sont en train de mourir dans le péché, que je puisse travailler pour toi, parler de toi, parce que je te connais. Tu m'as sauvé. De là où j'étais, tu m'as tiré. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Eh bien, je n'ai pas honte de parler de ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de parler de l'évangile, parce qu'il savait qui était son Dieu. Aujourd'hui, dommage, parce que nous avons des chrétiens qui ont peur de se promener avec sa Bible à la main. Puisqu'on nous a facilité les choses, tout est dans le téléphone, donc voilà. Et je passe incognito. Mais nos amis d'autrefois, nos amis d'ailleurs,
Ils n'ont pas besoin qu'on vous dise que non, ils sont de eux. Quand on voit leur... on sait qu'ils sont d'eux parce qu'ils connaissent leur Dieu. Mais il n'y a que nous, les chrétiens, qui prétendent connaître notre Dieu. Non, nous ne connaissons pas notre Dieu. Si nous connaissions véritablement notre Dieu, nous allons avoir du zèle pour lui. Nous n'allons pas nous taire. Ça va picoter dans notre corps et ça va sortir de notre bouche. Je ne laisserai pas quelqu'un parler du mal de mon Dieu alors que je suis là. Non, quand tu vas vers Abraham, quand tu vas vers Gédéon, quand tu vas vers Josué, tu parles mal de son Dieu. J'ai un frère qui disait, oh, si j'entends quelqu'un parler mal de mon Dieu, je suis prêt, je ne peux pas lui donner un coup parce que je risque d'avoir moi-même mal. Je ramasserai tout simplement une pierre et je risque de lui lancer parce que quand je vois ce que ces dieux l'a fait dans ma vie. Et toi, parler du mal de ces dieux-là, non, ça ne va pas passer, je ne laisserai pas passer. Il n'y a que nous qui ne connaissons pas réellement notre Dieu, qui laissons passer certaines choses. Frère, ma sœur, cherchons à connaître Dieu. Ça te donnera du zèle pour l'œuvre du Seigneur. Frères et sœurs, quand tu connais ton Dieu, tu ne peux pas rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans venant à l'église sans rien faire. Non, c'est que tu ne connais pas réellement ton Dieu. Puisque tu connais ton Dieu, ce qu'il a fait en toi et que tu es dans la maison de ton Dieu et voir la maison de ton Dieu, il y a des besoins dans la maison de ton Dieu. On a besoin des ouvriers dans la maison de ton Dieu. Et toi, tu viens croisant le mien, le bras, amen, amen. Et puis tu retournes chez toi et tu attends que d'autres personnes puissent faire le travail. Non, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Celui qui connaît son Dieu est prêt à risquer pour son Dieu. Les apôtres ont risqué leur vie parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Moïse, parlez-lui d'un autre Dieu, il te remettra directement dans le rail parce qu'il connaît le Dieu qui a séparé la mer Rouge en deux. Eh bien vous, nous devons chercher à faire des expériences personnelles avec Dieu. Parce que récolter les informations sur Dieu ne suffisent pas. C'est deux choses différentes. Si je connais réellement ce Dieu-là, je fais vraiment une expérience personnelle avec ce Dieu-là. Chercher, j'aimerais pousser quelqu'un à rentrer encore en profondeur, à chercher Dieu. À chercher Dieu. Deuxième attitude, frères et sœurs, celui qui connaît son Dieu ne peut pas rester inactif. Tu ne peux pas rester inactif. Non. Tu ne peux pas. Celui qui connaît son Dieu, il ressent vivement l'obligation de faire quelque chose pour son Dieu. Il sent dans l'obligation de faire quelque chose pour Dieu. Daniel et ses amis connaissaient leur Dieu. Par conséquent, frères et sœurs, ils se voyaient forcés en certaines occasions de s'opposer de façon active contre les exigences du roi. Ça leur pousse. Non, on ne peut pas rester comme ça. Comment ça se fait que nous connaissons, il y a un véritable Dieu créateur du ciel et de la terre et qu'on nous présente un morceau de bois et qu'on nous dit que c'est lui les dieux, nous devons... Non, je ne peux pas rester sans rien faire. Non, je dois m'opposer et montrer à tous ceux qui sont là que non, je ne suis pas d'accord. Non. Et les 4 amis, les 3 amis de Daniel, ils ont montré vraiment que non, nous ne sommes pas d'accord. Ils ne sont pas restés inactifs. Si c'était toi et moi, on chauffe la fournaise ardente, on te dit, si tu ne te prosternes pas, vas-y. Il y aura toujours des conseillers, et ces conseillers-là qui sont aussi chrétiens, qui te diront, frère, Dieu pardonne, il voit tout. Prosterne seulement, il te pardonnera, et puis c'est bon, tu gardes la vie sauve. Mais ces 3 amis, ils ont dit, il n'y a rien à négocier, frère. Ils ont donné une réponse précise et courtoise.
au point où il n'y aura pas de réplique après. Ils disent, ô roi, il n'y a même pas à polémiquer là-dessus, même pas à discuter là-dessus. Nous n'allons pas nous prosterner parce que nous connaissons notre Dieu. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ils se sont opposés, ils ont refusé. Ils sont allés même plus loin pour dire au roi, « Roi, même si notre Dieu ne vient pas nous sauver, même si nous périssons à l'intérieur de la fournaise ardente, mais nous n'allons pas nous laisser intimider par tes menaces. Nous n'allons pas le faire. » Pourquoi ? Parce qu'ils sont restés fermes. Et puisqu'ils sont restés fermes, la Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu, selon la version Martin, la Bible dit, ils feront quoi ? Des exploits. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé ? Ils ont fait des exploits avec Dieu parce qu'ils sont restés fermes. Ils ont agi avec fermeté. Non, je refuse. Mais combien de fois nous sommes sollicités par des choses qui sont contraires à la volonté de notre Dieu et contraires aux mœurs du royaume de Dieu, eh bien, nous laissons emporter facilement parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous tombons dans la compromission parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Je me souviens d'un frère, c'est un grand frère pour nous. Le frère, il s'appelle le frère Rémi. On priait dans la même église à l'époque. Mais nous, on était un pied dedans, un pied dehors. Mais lui, il était les deux pieds dedans. Alors, on s'est retrouvés à l'université. Nous, quand on est arrivés à l'université, le frère Rémi, lui, il reprenait l'année. Et le frère Rémi, il était constant dans sa connaissance avec Dieu. Alors, pendant les examens, nous, on cherchait à pouvoir trouver des réponses par-ci, par-là, avec des solutions inappropriées. Mais le frère Rémi, lui, il était comme ça. Et ce jour-là, si le frère Rémi connaissait les réponses, le frère Rémi dormait sur sa feuille. Au point où, quand nous tous, vous voyez que le frère Rémi dort sur sa feuille, c'est que le frère Rémi, lui, il connaît tout. Eh bien, quand on lui dit, Rémi, un c'est comment ? Chut, Jésus n'aime pas ça. Mais Rémi, tu ne vois pas que nous périssons. Chut, Jésus n'aime pas ça. Mais il est arrivé un jour où le frère Rémi a tellement bouquiné que, à l'examen, tout ce qu'il avait étudié ne sont pas venus. Il n'a pas retrouvé dans les questionnaires ce qu'il avait. Il n'avait pas la connaissance. Alors, Rémi, quand il tourne les yeux à gauche, tout le monde crie, « Rémi, Jésus n'aime pas ça. » Quand il veut regarder à droite, tout le monde lui dit, « Rémi, Jésus n'aime pas ça. » Et pendant que les réponses commençaient à circuler dans la salle, qu'est-ce qu'a fait Rémi ? Il a bouché ses oreilles. Pour ne pas être tenté à écrire ce qu'il entend. Et il est resté pendant quelques minutes, puisque ça ne venait pas. Rémi s'est levé, il a pris sa feuille vierge, il l'a déposée et il est parti. Pourquoi nous l'avons traité de tout ? Mais Rémi connaissait son Dieu. Il ne voulait pas trahir son Dieu. Il est resté constant. Face à la tricherie, Rémi n'est pas resté inactif. Il a préféré échouer que de trahir son Dieu. Pourquoi ? Parce que Rémi connaissait son Dieu. Il connaissait son Dieu. Au jour d'aujourd'hui, il vit très bien, plus que même ceux-là qui ont réussi à l'examen. Il vit très bien sa vie parce que Dieu, il a fait des exploits avec Dieu. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Frères et sœurs, lorsque le roi Darius a interdit la prière un mois sous peine de mort dans son royaume, dans Daniel chapitre 6, la Bible dit que Daniel n'est pas resté inactif.
Si c'était toi et moi, on allait faire quoi? Chacun connaît la réponse. Mais la Bible nous dit que Daniel n'était pas à l'opposition. Donc Daniel n'était pas à l'opposition, je le répète encore, contre les autorités. Peut-être les gens vont vous dire le contraire, mais moi je vous dis qu'il n'était pas en opposition, mais il connaissait ce qu'il faisait. Il connaissait tout simplement son Dieu. Il était sensible à tout ce qui pouvait mettre en péril les intérêts de son Dieu. Alors, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas perdu ses habitudes de prière 3 fois par jour. Mais il est allé prier fenêtre ouverte pour que ceux qui, les passants, le voient en train de prier. Que Daniel, même s'il y a l'édit du roi, Daniel n'a pas cessé ses habitudes. Il a continué à chercher son Dieu. Il a continué à prier. Il ne pouvait pas rester inactif. Non, frères et sœurs, ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, frères et sœurs, sont avant tout des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Parce que c'est dans la prière qu'on peut changer les choses. C'est dans la prière qu'on peut bousculer les choses. Frères et sœurs, peut-être nous n'avons pas la force physique de changer les systèmes. Peut-être nous n'avons pas la force physique de s'opposer à tout ce qui se dit et se fait dans le monde. Mais si nous sommes les hommes et les femmes de prière, nous pouvons influencer les choses. Nous pouvons changer les choses puisque nous connaissons notre Dieu, que notre Dieu est capable puisqu'il répond aux prières. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit ça à Jérémie. Quand Jérémie a eu cette révélation que Dieu, quand on l'invoque, il a dit qu'il répondra. Et Jérémie n'a pas cessé de chercher son Dieu. Et quand nous connaissons cette vérité, si cette vérité s'imprègne en nous et que nous connaissons que notre Dieu répond aux prières, eh bien, nous pouvons changer les choses rien qu'avec la prière. Peu importe que je sois malade ou pas, mais quand je vois que les choses ne marchent pas dans ma famille, je dois m'élever dans la prière parce que je connais mon Dieu, il est capable de changer des choses. Frères et sœurs, je ne resterai pas inactif. Non, je ne reste pas inactif. Celui qui connaît son Dieu, il agit. Il agit. Ça lui pousse d'agir. Frères et sœurs, cherchons à connaître notre Dieu. Troisième attitude de celui qui connaît son Dieu, eh bien, il témoigne pour la cause de son Dieu. Et ce témoignage est avec une grande hardiesse. Rien ne peut l'empêcher. Même s'il y a des menaces ou des intimidations, eh bien, il témoigne la cause de son Dieu. Waouh! Daniel et ses amis l'ont fait. Ils l'ont fait. Les 3 autres se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Daniel lui-même s'est retrouvé dans la fosse aux lions, mais ils ont continué à témoigner la cause de leur Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à risquer pour notre Dieu? Point d'interrogation. Frères et sœurs, vous savez que il y a eu des gens qui sont morts, ils ont risqué leur vie. Des fois, vous savez, des fois, Dieu n'intervient pas. Et cela ne signifie pas que Dieu les a abandonnés. Non. Même le Seigneur lui-même à la croix, il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné ?» Mais est-ce que réellement Dieu lui avait abandonné? Non. Parce que le 3e jour, Dieu a fait quoi? Il a ressuscité des morts. Il y en a de ceux-là qui connaissaient leur Dieu, ils ont témoigné haut et fort la cause de leur Dieu, eh bien, ils ont même laissé leur vie. Il y en a d'autres que le Seigneur les a sauvés, sortis des de situations compliquées, mais il y en a d'autres qui sont morts. Mais cela ne signifie pas que Dieu et moins Dieu parce que les autres qui ont témoigné de sa cause sont morts. Non,
il restait Dieu, il restait constant. Si tu connais pourquoi le Seigneur t'amène en ces lieux, c'est parce qu'il veut que tu les connaisses. Et qu'en les connaissant, et que tu agisses, et que tu réagisses et agisses conformément à sa parole et à la révélation de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, apprenons à témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Frères et sœurs, c'est une expérience personnelle. Quand tu vois Tabitha, qu'on appelle Dorcas, avec ce qu'il a vécu avec son Dieu, je pense que si tu demandes à Tabitha Dorcas, de Actes des Apôtres, de te parler de son Dieu, il aura des tonnes de choses à te raconter sur son Dieu. Parce qu'elle était morte, mais Dieu l'a ressuscité à la vie. Si vous racontez, ces jeunes Eutychus qui étaient tombés de la fenêtre de l'étage pendant que l'apôtre Paul prêchait toute la nuit. Mais si vous rencontrez cette personne, Eutychus, vous lui posez la question, eh bien, il n'arrêtera pas de vous parler comment est-ce que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce qu'il a découvert un Dieu qui ressuscite les morts. Et je pense que la vie de cet homme, jusqu'à ce qu'il est allé à la tombe, il ne pouvait pas nier ou tourner les dos à ce Dieu-là, parce qu'il connaît ce Dieu-là. J'étais mort, Dieu m'a rendu la vie. Est-ce que Dieu n'a rien fait pour vous? J'aimerais vous inviter à chercher encore et encore plus Dieu. Cherchez encore Dieu. Rentrez en profondeur. Cherchez encore Dieu parce qu'il a besoin que vous puissiez le connaître. Quatrième attitude, frère, de ceux qui connaissent leur Dieu ou de celui qui connaît son Dieu, eh bien, ils ont une pleine satisfaction de leur Dieu parce qu'il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme, frères et sœurs. Daniel et ses amis, ils ont découvert Dieu dans cette dimension de satisfaction. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils se sont présentés devant les rois, eh bien, ils avaient une autre opinion de leur Dieu. Une haute opinion de leur Dieu. Ils ont dit, le Très-Haut est celui qui domine sur tous les règnes de ces mondes, tous les royaumes de ces mondes. Donc toi, les rois, même si tu règnes dans la petite portion que Dieu t'a donnée, sache que nous croyons à un Dieu qui est au-dessus de toi. Donc ils avaient la satisfaction et c'était la base même de leur assurance. Parce que sans cette assurance, eh bien, ils ne seraient pas ce qu'ils étaient. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Et cela leur a donné la paix, la joie de servir encore leur Dieu. Frères et sœurs, cette satisfaction te pousse à faire des choses pour Dieu. Je connais, on nous a raconté l'histoire d'un frère. Ces frères-là, à chaque fois qu'ils venaient à l'église, eh bien, quand on prie, on prêchait, si le message le touchait, cette vérité le touchait, il n'arrêtait pas de se lever en plein culte pour crier, « C'est la vérité, amen, moi je le crois !» Alors à chaque fois, les gens commençaient à se gêner. Le pasteur a dit, « Bon, on va chercher comment calmer les frères. » On regarde, le frère vient toujours en claquette à l'église. On a dit, « Bon, on va lui acheter des chaussures. » On lui achète une veste, comme ça, il va se sentir un peu au milieu de gens normaux, alors il ne criera plus. Il est venu à l'église, chaussures, chemise, veste, assis là où il s'assoit d'habitude. La parole, on enseignait la parole, le frère était là, ça bouillonnait dans son cœur, parce qu'il connaissait son Dieu, il savait que mon Dieu est capable de faire ça, ça, ça. Et si cette vérité les touche, des fois il dit, il se maîtrise. La parole bouillonnait encore, il se maîtrise. Troisième fois, quatrième fois, le frère s'est levé, chaussures ou pas chaussures, amen.
Et pourquoi? Parce qu'il connaissait son Dieu. Je ne peux pas rester inactif. Je ne peux rien faire face à cette vérité. Je ne peux pas rester inactif. Je dois crier et témoigner la véracité de cette parole. Alors, chaussures ou pas chaussures, pour me faire taire, moi, j'écrirai. Moi, je témoignerai. Parce que j'ai trouvé satisfaction à la parole de Dieu. Je le connais. Et puisque je le connais, je sais qu'il ne me délaissera jamais. Je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Je sais que c'est Dieu-là, même si je suis malade aujourd'hui, il est celui qui me guérit. Même s'il ne me guérit pas aujourd'hui, je sais que quand je vais ressusciter, j'aurai un autre corps. Ce corps va se détruire. Ça va pourrir à la tombe, mais moi j'aurai un autre corps, je monterai, je le verrai face à face. Ça, c'est l'assurance de celui qui connaît son Dieu. Job connaissait son Dieu. Peu importe ce que ses amis lui disaient, il savait que le Dieu que je connais, il est celui qui s'élèvera en dernier. Et quand il s'élèvera, il me rendra justice. Ça, c'est les paroles de celui qui connaît son Dieu. Frère, vous savez, la connaissance de Dieu te rendra libre. Jean chapitre 8, le verset 31 à 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand vous connaissez la vérité, ce Dieu qui est la vérité, eh bien, quand vous rentrez dans cette dimension de la connaissance de la vérité en vous, la Bible dit que cette vérité vous rendra libre. Et cette liberté, c'est la liberté totale, liberté de tous liens familiaux, la liberté de toutes sortes de péchés, la liberté des masturbations, la liberté de je ne sais pas quel péché. Le Seigneur vous rendra totalement libre. Vous n'aurez plus à craindre quoi que ce soit, parce que vous êtes libre. Vous n'allez plus vous soucier de votre passé. Non, le passé est passé. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous pouvez me traiter dans mon passé, mais moi je sais qu'en présent, mon Dieu m'a rendu libre. Je l'ai découvert. Je ne crains plus les liens familiaux, même s'il y en avait. Mais moi je sais que je suis libre. Frère, celui qui connaît son Dieu ne va pas courir chercher des délivrances à gauche et à droite. Non, la parole de Dieu dit que si tu connais la vérité, elle te rendra libre. Crois cette vérité, saisis cette parole et change ta façon de vivre. Frère, celui qui connaît son Dieu, cette connaissance influence même sa prière. Sa prière sera une prière efficace. Parce qu'il ne parle, il priera non pas comme quelqu'un qui a peur. Vous savez qu'un chasseur, quand il a peur, il tire dans n'importe quelle direction. Mais celui qui est sûr de lui, il sait que quand j'entends ces bruits, c'est qu'il y a un animal quelque part. Je me positionne pour voir dans quelle direction elle va sortir pour que je tire. Mais si tu ne connais pas par la peur, tu vas gaspiller tes balles. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens gaspillent leur énergie. Ils vont prier du matin au soir sans rien. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, sa prière sera précise. On n'a pas besoin de prier toute la nuit pour trouver la réponse. Non, même 5 minutes suffit pour que Dieu réponde. Parce que tu connais ton Dieu. Frère, c'est la connaissance de Dieu multiplie la faveur de Dieu dans votre vie. La connaissance de Dieu vous procure la paix. La connaissance de Dieu vous procure une grande assurance dans toutes les circonstances de votre vie. Frères et sœurs, nous devons chercher Dieu. Nous devons apprendre à chercher Dieu. À chercher à connaître Dieu. Parce que si nous connaissons Dieu, notre vie chrétienne ne sera plus la même. Vous aurez une autre vision de ces dieux-là. C'est pourquoi Dieu voulait que les enfants d'Israël le connaissent.
Tout comme aujourd'hui, le Seigneur veut que vous les connaissiez. Quand vous vous mettrez à parler de votre Dieu, vous parlerez avec assurance. Parce que vous connaissez ce dont vous parlez. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter à nous lever, frères et sœurs. Si tu es venu faible dans le corps, si tu étais venu avec des soucis, ou si tu étais venu le cœur bien rempli, le rejet de problèmes, eh bien, j'aimerais te dire, connaisse tout simplement, sache-le qu'il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui solutionne les problèmes. Il y a un Jéhovah Rapha, il y a un Jéhovah Jiré, il y a un Jéhovah Shalom qui peut te donner la paix. Et cette paix, le monde ne peut jamais te les donner. C'est pourquoi, ce matin, avant de pouvoir rentrer chez toi, fais cette prière. Dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Je veux encore te connaître plus. Je veux encore te connaître dans ma vie. Élève ta voix, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Je veux aller encore en profondeur. Je veux encore étudier ta parole. Je veux encore que tu te révèles à moi. Je ne veux plus mener une vie chrétienne à dents de scie. Aujourd'hui, je suis fort. La parole m'a touché. Une semaine, je marche dans la crainte de Dieu. Et après demain, je retombe. Non, je ne veux plus cela. Je veux rester constant dans ma marche avec Dieu. Je veux encore te connaître et te découvrir encore et encore dans ma vie. Connaître les facettes parce que tu es comme un diamant à plusieurs facettes. Je veux te découvrir comme Abraham t'a découvert. Je veux te découvrir comme Josué, comme Moïse, comme Isaac, comme Gédéon t'ont découvert. Moi aussi, je veux te découvrir comme tu t'es révélé à l'apôtre Paul, moi aussi je veux te découvrir. Je veux te découvrir comme les disciples t'ont connu. Moi aussi je veux te découvrir. Je ne veux pas seulement avoir des informations sur toi, mais je veux réellement te connaître dans ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Ne me laisse pas. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à te connaître encore plus, plus dans ma vie. Seigneur, merci. Je vais relancer cet appel. Peut-être tu es venu en ces lieux ce matin. Tu as été invité. Mais quand tu as écouté cette parole, tu t'es dit, non, je vais prendre une décision de connaître ces dieux-là. Et tu veux t'engager avec ces dieux-là. Et tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que les choses changent dans ta vie et que tu marches en connaissant de plus en plus ces dieux-là. Si tu veux prendre cette décision, tu t'es dit que je vais m'abandonner, je vais abandonner ma vie à Jésus, ma vie à ces dieux-là. Je veux que les choses changent dans ma vie. Je ne l'ai jamais connu, je veux le connaître aujourd'hui. Si tu es là et tu veux prendre cette décision, lève tout simplement ta main et nous allons prier avec toi. C'est lui qui veut prendre cette décision. Nous avons les yeux fermés. Merci pour ceux-là qui ont levé leurs mains. Merci pour ceux-là qui ont levé leurs mains. Et ensemble, toute l'Église, nous allons les accompagner dans cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais dans ma vie, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ma vie à toi. Je veux te connaître encore plus. Je veux marcher avec toi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je crois ce que tu as fait à la croix. Tu as payé de ta vie pour mon salut. Merci pour le pardon de mon péché. Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Seigneur Jésus, merci de venir dans ma vie. Merci de me sauver. Et je crois en toi. Tous les restants de ma vie, je m'irai marcher avec toi. Seigneur, je prie pour nos bien-aimés qui ont pris l'engagement ce matin. Éternel Dieu, que tu les soutiennes. Montre-toi encore comme un père dans leur vie. Montre-toi, Seigneur mon Dieu, et marche avec eux comme tu as marché avec Moïse, comme tu as marché avec Abraham, comme tu as marché avec les disciples, comme tu marches avec tous ceux qui se confient en toi. Bénis-les, Seigneur, et que cette décision reste à vie jusqu'à ce que tu reviennes, afin qu'il ne puisse pas manquer le grand rendez-vous du ciel.
bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs pour ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur? Nous voulons continuer à adorer notre Dieu, à célébrer notre Dieu avec nos offrandes. Ces dons que nous faisons à Dieu pour l'avancement de son œuvre. Et que ces offrandes puissent être bénies, puissent porter du fruit, et que des âmes puissent être sauvées. Alléluia. Nous allons chanter avec joie, danser dans sa présence, chanter, louer, crier son nom, parce qu'il est digne de louange, et parce que nos chaînes sont tombées. Vous êtes libres, libérés dans sa présence. Alors si vous voulez vous mettre debout,